Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi j'ai passé une sale nuit, j'ai fait que me réveiller toutes les heures, horrible. À 8 h, je suis sortie du lit, j'ai fait du ménage, j'ai traîné un petit peu. Là, j'allais à la douche, il faut que je fasse mes cheveux, ma tête elle me dégoûte. Mais la semaine prochaine, je vais chez le coiffeur, ça va me faire du bien. Je pense que je vais refaire un blond décoloré, voilà, décoloré tête entière. Parce que là, du coup, je fais toujours le bandeau. Le bandeau décoloré et le reste, en fait, on fait des mèches, mais là, je peux plus en fait ma racine et tout. Donc, la semaine prochaine, coiffeur. Et là, je devais faire mes cheveux, du coup, parce que c'est une catastrophe. Mais je suis contente, j'ai booké un rendez-vous demain. C'est un spa japonais pour la tête. Je sais pas comment on appelle ça. C'est ouais, un spa de la tête. Vous savez, c'est avec un contour comme ça, avec des jets. Avec massage du crâne, soins en profondeur, massage du visage, massage des épaules et tout. Donc j'ai booké ça demain soir. Donc je pense que ça sert à rien de laver mes cheveux aujourd'hui. Je vais les attacher, ou je vais mettre un bonnet, un bandeau, enfin bref. Et voilà. Voilà, je me suis remis dans mon canapé. Je me suis mis dans mon canapé avec mon gros plus trop bien. Là je vois le temps, il fait des gros flocons, ça y est. Bah, depuis en fait on était en vigilance depuis ce matin. Et genre, je pensais que j'allais me lever et qu'il allait avoir 1 mètre de neige à écouter les médias, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, il n'y avait pas un flocon. Mais là, ça y est, ça commence à tomber fort, 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 fort. Donc, soyez prudents sur la route. Je vais me chauffer quand même à la douche. Et puis ensuite, j'irai à la boutique. Je vais aller faire les photos de toutes les nouveautés que j'ai. Ouais, faut que je fasse les photos, faut que je me motive, faut que je me fasse une tête là, parce que ouais, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai les yeux gonflés. J'ai pas une bonne tête aujourd'hui, donc ça va être compliqué pour les photos. Quand tu dois faire des photos et que tu te sens pas bien, quand tu te sens pas bien intérieurement et physiquement, c'est pas facile. Mais bon, faut bien que je bosse, donc voilà, ça va aller, je vais me motiver. Make-up à fond. Et mes cheveux, je sais pas ce que je vais faire. Ah, ça saoule. En vrai, t'as beau être bien, si tes cheveux, ça ne va pas, c'est la merde. C'est la merde sur tout ton corps. Donc là, ouais, j'ai hâte de faire quelque chose à mes cheveux. Puis je suis blanche aussi, là. J'en ai marre. Rien qui va. Rien qui va. Non, mais ouais. Regardez, je suis la même couleur que mes cheveux. Je suis un peu rouge. Je suis un peu rouge, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Non, si, hier j'ai fait poser un masque, mais je pense que j'ai fait trop poser. Et moi j'ai la peau hypersensible, du coup je pense que c'est pour ça que je suis rouge. Enfin bref, je vous raconte ma life. Bon, je viens de tomber sur un article. Comment faire pour récupérer ces bougies? Genre, voilà, là c'est le fond. Il reste encore tout ça. Et en fait, je n'arrive plus à l'allumer. Celle-ci, pareil. Bon, celle-là, j'ai déjà essayé la technique de faire une cheminée, machin. Carrément, la mèche, elle a disparu. Donc, je vais essayer de gratter un petit peu. Mais sinon, je vais faire donc la technique que je viens de voir. Je sais pas si vous connaissez. C'est verser de l'eau bouillante dans le pot de cire. Et ensuite, donc, faut laisser reposer. Et la cire, apparemment, va remonter à la surface. Comme ça, on pourra l'enlever et la réutiliser dans une autre bougie, par exemple. Donc, on va essayer ça. C'est parti. Bon, c'est parti. On teste. C'est la première fois que je fais ça, hein. Donc je vous dirai si ça marche vraiment ou non. Hop. Eau bouillante dans celle-ci. Eau bouillante dans celle-là. Et la noire, je vais essayer de gratter, genre pour essayer de récupérer la mèche, parce que c'est pas comme si elle était remplie. Genre je l'ai allumée une fois, je pense. Moi j'aime trop le pot. Donc si j'arrive pas à récupérer la mèche, je ferai la technique là de l'eau bouillante, pour voir si ça marche. Et comme ça, je pourrai récupérer le pot. Pour mettre je ne sais quoi dedans, mais ça ira très bien avec ma déco. Je vais voir ça. Bon, j'ai charcuté ma bougie. Je ne trouve pas les mèches. Voilà. Et en fait, en forçant, je me suis rendu compte. Merde, je viens de le faire. En fait, il a été déjà décollé. Qui était déjà décollé. Voilà. Donc, il est censé avoir 2 mèches, du coup. Voilà. Et je sais pas. Je ne les retrouve pas. Du coup, c'est, voilà, je suis deck parce que ben, c'est pas comme si je l'avais jamais utilisé, quoi. En plus, ça sentait trop bon, je me souviens. Il fut un temps. Donc voilà. Au final, ce que je voulais. C'est pas grave. Poubelle, et au moins j'ai le pot.
Petit conseil de Wendy, du coup, tu peux mettre des petits morceaux de bougie dans ton brûleur pour ne pas la jeter. Du coup, bah voilà, je le mets là, je vais faire des petits morceaux et puis c'est vrai que j'ai plusieurs brûleurs dans la maison. Donc, ben, je vais m'en servir. Voilà.